Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, on va voir comment créer par exemple une veilleuse pour la nuit avec une temporisation. Donc, on se connecte. Donc, là, je vais utiliser un capteur de mouvement qui va servir de déclencheur et une lumière que je vais allumer. Je vais attendre un certain temps et après, je vais l'éteindre s'il y a absence de mouvement. Donc, on va directement dans scénario. Lumière, donc moi j'ai déjà créé un numéro automatique, donc je vais créer un nouveau. Donc je vais mettre lumière test. Voilà, donc mon déclencheur, il va être provoqué. Donc on va le déclencher par un capteur de mouvement. Donc détection présence bureau, ok, et l'état. Donc il va être déclenché par un détecteur de mouvement. Ça c'est pareil, enfin, on s'en fout, hein, on remplit comme d'habitude, vous remplissez ce que vous avez besoin de remplir. Et ensuite, on va ajouter un bloc. Donc on va rajouter un si. Hop. Donc on va faire en sorte que si le capteur de mouvement est égal à 1, donc s'il est déclenché, et c'est tout, on voudra que ça pour l'instant, alors on allume la lumière. Donc action. Et là, on va chercher notre lumière. Hop. Allumer. Alors après, vous pouvez choisir l'une, vous pouvez modifier les couleurs, etc. Ensuite, on va ajouter un autre bloc qui va être dans. Pour éviter de mettre un slip. Vous savez, on peut mettre une temporisation slip, mais ça veut dire que le scénario tourne toujours. C'est un peu. Ça demande un peu plus de ressources. Bon, ça passe normalement, mais il ne faut pas en mettre 15-20 scénarios comme ça. Donc on va mettre dans. Et puis là, on va mettre. Bah là, pour le test, on va mettre dans 1 minute. Donc dans 1 minute, ce qu'on va faire, on va vérifier. Donc on va vérifier, pardon. Hop, alors attendez. Tac. Donc on va vérifier, pardon. Donc c'est pas ça, on va rajouter un bloc. Parce qu'on va mettre dans 3 minutes, on va vérifier si le capteur de mouvement est éteint. Donc si... Hop, le bureau, copier, V, égale 0 cette fois. Hop. Donc si le détecteur de présence égale 0, alors on va éteindre la lumière. Donc hop, lumière, éteindre. Sinon, alors moi j'ai testé un truc, ça marche plutôt pas mal. On va faire action scénario. Et en fait, on va relancer le scénario. On va le relancer ce scénario-là, comme ça au moins. Donc, lumière test. Voilà. Hop. Lumière test. Start. Alors attention, je vous explique vite fait sur les scénarios. Je ne sais pas si j'ai déjà fait. Start, c'est pour exécuter le scénario. Stop, c'est pour l'arrêter. Activer ou désactiver, c'est pour... C'est-à-dire que si vous le désactivez, il pourra plus se lancer. Si vous l'activez... Il se lancera que si la commande d'exécution que vous avez mis ici se lance. Voilà. Et si vous mettez start, start c'est pour exécuter ça. Donc il va se lancer, il va vérifier les conditions. Donc là on met start et on sauvegarde. Donc normalement, hop, si je lance mon scénario, ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir une deuxième page. Hop. On va le mettre dans le bureau. Comme ça, vous avez le capteur de présence et la lumière. Donc là, oui, le capteur de présence, il est online, mais par contre, il n'est pas déclenché. Donc si je lance mon scénario, hop, exécuter, je vais lancer le... Forcément. Hop, je réduis un peu ça. Voilà, j'ai lancé le scénario. Est-ce que mon capteur de présence est égal à 1? Non. Bon, c'est normal, je suis statique depuis tout à l'heure. Donc, il lance rien. Maintenant, si j'agite un peu la main, vous allez voir, mon capteur s'est déclenché ici et hop, ma lumière s'est allumée. Vous avez vu, statut on. Donc là, c'est parti pour 1 minute, vu qu'on a mis 1 minute. Donc, on attend et dans 1 minute, il relancera la commande. Donc là, je vais essayer de ne pas bouger. Normalement, les différents capteurs Xiaomi, bon, il faut un peu plus d'1 minute pour qu'ils se remettent à zéro.
Donc c'est pas grave, au pire, on reverra, on va voir le scénario se relancer. Donc là, ça s'est lancé à 13h54 et 37 secondes. Donc dans 15 secondes, normalement, vu que j'ai pas changé d'état, il va relancer le scénario pour une minute. Jusqu'à temps que mon capteur de présence change d'état. Donc là. Donc c'est. Alors il y a plusieurs techniques hein, pour faire ce scénario. En fonction. Le mieux c'est au moins de mettre 2-3 minutes quand même parce que c'est pas évident. Donc là vous voyez, on est toujours sur 1. Donc en fait il a relancé le scénario. Et donc il relance une minute normalement. Hop. Alors, est-ce que je peux le forcer? J'aurais pu le forcer en mettant un état 0. Il devrait normalement, de toute façon, il. Donc, c'est vraiment le. Faut au moins mettre 2-3 minutes le temps que ça revienne quand même. Donc, là, vous voyez, il est passé en état donc non présent. Donc, normalement, à 56 et 37 secondes, il devrait éteindre la lumière. Donc voilà, c'est un petit scénario tout simple. Ça permet au lieu d'avoir une petite veilleuse, voilà, si vous avez de quoi dans une pièce, dans un escalier. Alors moi après je l'ai programmé pour qu'il se déclenche à partir du coucher du soleil. Donc ça après c'est du personnel, hein, c'est vous faites comme vous le sentez. Mais voilà. Donc là vous voyez, hop, 37, il n'y avait plus d'état. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez voir, la statue off. Donc voilà, c'est un petit tuto, c'est assez simple, ça vous permet de commencer à faire un peu de déclencher des actions pour un temps donné, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.